Loin des quatre murs de leur salle de classe respective, ces femmes institutrices de la circonscription scolaire d'Abomey-Calavi 3, au son de la fanfare, se défoulent. À travers cette caravane, elles célèbrent à leur manière la Journée internationale de la femme. L'objectif de cette célébration est de sensibiliser leurs collègues sur l'importance de cette journée d'une part et sur le rôle combien important de la femme enseignante dans le foyer conjugal d'autre part. D'où le thème retenu « Femme enseignante face à ses responsabilités de mère et d'épouse ». Vous savez, nous sommes des mères, des femmes enseignantes et puis nous avons des difficultés et de ménage, difficultés de foyer, de profession, comment rentrer, faire le travail de ménage et le travail à l'école aussi. Bon, c'est un peu difficile. Bon, nous sommes dit qu'il faut échanger les idées pour pouvoir se soutenir tant soit peu, pour pouvoir mieux réussir et dans et le travail et dans le ménage. Concilier vie professionnelle et vie familiale n'est pas chose aisée. Et pourtant, elles y arrivent. La célébration a été également une occasion pour ces femmes de partager leur expérience autour d'une causerie débat. Chères femmes, vous devez vous lever pour défendre vos droits. Vous devez vous battre pour retrouver votre légale et légitime place auprès des hommes. L'homme n'est rien sans vous. Vous êtes la cheville ouvrière de la société. Nous devons alors tous nous engager pour faire de la femme la pierre angulaire du développement. Je voudrais vous demander de rendre pérenne cette journée-ci. Prendrez une part active dans l'organisation l'année prochaine. L'organisation de cette deuxième édition de la Journée internationale de la femme institutrice a été une parfaite réussite. Rendez-vous est pris pour 2019.